Hello, hello la famille, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien par la grâce des dieux. Je suis heureuse de vous reprendre encore aujourd'hui pour une nouvelle vidéo morning routine avec mon bébé. Donc, juste moi et mon bébé, je vais vous montrer un peu comment ça se passe le matin avant le réveil de ma fille de 4 ans et de mon garçon de 2 ans et demi. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez surtout pas de liker, de commenter, de partager et pourquoi pas vous abonner si ce n'est pas encore fait. Quand vous abonnez, n'oubliez surtout pas d'activer la cloche de notification parce que c'est ça qui vous permettra d'être informé à chaque fois que je posterai une nouvelle vidéo. Alors là, je venais de me réveiller, mon bébé m'a réveillée avec ses petits cris. Elle est tellement gentille le matin que quand elle se réveille, elle pleure pas. Elle commence juste à parler jusqu'à ce que j'aurai la force de me réveiller, de m'occuper d'elle. Alors d'habitude, avant même de quitter le lit, je commence par la méditation. Mais comme je devais filmer, je me suis réveillée un peu plus tôt pour changer ma robe. Voilà, changer ma tenue. Et puis je suis rentrée au lit. Bébé s'est réveillé. Alors elle s'était soulagée. Je me sentais obligée de changer d'abord bébé avant de commencer avec ma méditation matinale. Parce que si je commence peut-être à avec la méditation, elle pourra traîner avec sa couche et c'est pas intéressant. Donc j'ai décidé de changer d'abord bébé avant de faire ma méditation et ma prière matinale. Si vous me découvrez pour la première fois, je m'appelle Joyce. Je suis la maman de 3 enfants, donc 4 ans, 2 ans et demi et 5 mois. J'ai créé cette chaîne YouTube pour partager ma vie de maman avec vous. Je partage de la motivation ménage, la cuisine, la décoration, le rangement, l'organisation. Bref, ma petite vie de maman au foyer. En tout cas, si ça vous intéresse, n'y partez pas sans cliquer sur le bouton s'abonner. Également, activer la cloche notification. Je serai plus qu'heureuse de vous compter parmi nous. Alors, j'ai changé bébé et je voulais quand même bien l'essuyer avec de l'eau parce que les lingettes étaient froides. Voilà, je suis partie avec elle dans ma douche. Comme ça, je vais utiliser sa serviette avec de l'eau tiède du robinet. Comme ça, elle sera quand même fraîche, bien qu'elle n'a pas pris le bain le matin.
toute contente d'être rafraîchie avec de l'eau. En fait, tous mes enfants, ils aiment beaucoup l'eau. Mes enfants, ils adorent l'eau. En commençant par ma fille, mon garçon et même le bébé, en fait, eux tous, ils aiment de l'eau. Du genre, si l'enfant s'est lavé le matin, le soir, tu veux que l'enfant dorme comme ça, l'enfant va beaucoup pleurer jusqu'à ce que tu les laves. Ils aiment bien l'eau et voilà. J'espère qu'ils vont rester propres, ils vont grandir comme ça. Alors, comme je n'avais pas encore fait ma prière, j'ai pas voulu encore prendre beaucoup de temps avec le bébé. Voilà, j'ai juste mis la couche, je l'ai laissé avec son peignoir et on va rentrer au lit pour la prière et la méditation. C'est juste après ma prière que bébé pourra s'habiller et prendre son premier biberon pour la journée. Sinon, elle n'avait pas très faim parce qu'elle tète beaucoup la nuit. Elle prend le sein presque toute la nuit. Parfois, je somnole avec elle en main juste parce qu'elle aime beaucoup téter la nuit. Après la méditation, j'ai pris quelques minutes en prière. Voilà, mon bébé était juste à côté en train de crier, en train de me parler. Et moi, je devais aussi parler à mon père. Voilà, pour quelques minutes avant de continuer avec la routine du matin avec mon bébé. Déjà, quand je priais, mon bébé voulait à tout prix que je la porte. Alors, je l'ai portée, j'ai fini ma prière, on a pris quelques minutes pour jouer. Elle aime beaucoup ça, elle parle beaucoup, elle n'a que 5 mois, mais elle aime bien blablater avec sa maman. Alors, on a terminé de jouer, bébé était contente, elle s'est calmée. Et je suis passée au téléphone, direction Instagram, YouTube, je vais voir les nouveaux commentaires, répondre, voilà, prendre un peu la température de mes réseaux sociaux et on va continuer avec bébé. Maman dit
dites-moi en commentaire à quelle heure vous aimez vous réveiller le matin. Est-ce que vous rêvez au même moment que les enfants ou vous préférez le faire un peu plus tôt? En tout cas, pour mon cas, j'aime me réveiller avant les deux grands. Donc, parce que quand ils se réveillent, il faudra les changer et donner le petit déjeuner et la journée commence carrément. Donc, je fais l'effort de me réveiller avant les deux grands. Même si bébé est réveillé, c'est pas grave parce qu'elle peut juste rester à côté de moi, dans sa chaise, en train de me regarder tout ce que je fais. Elle est calme. Vraiment, c'est une gentille petite fille, voilà. Mais les deux autres, quand ils se réveillent, donc je dois les occuper, ils doivent jouer, je dois les surveiller. Il y a mon garçon qui fait les potty training. Donc quand ils sont debout, c'est vraiment la journée qui commence et très au sérieux que je n'ai même pas le temps pour moi-même. Ces images que nous allons nous dire au revoir pour aujourd'hui, voilà. J'espère que ma petite routine avec mon bébé vous a fait plaisir. Je compte sur vous pour les maximums des likes, de commentaires, de partages. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et activez la cloche de notification. Alors là, j'ai terminé de faire mon lit. Mon bébé était calme, juste là à côté, en train de prendre son lait. Et moi, je vais partir prendre ma douche. Là, je suis en train de vous dire déjà bye-bye. Alors, j'ai pris ma douche, j'ai fait tout ce qu'il fallait. Les enfants se sont réveillés. Ils ont pris leur petit déjeuner et nous sommes partis pour l'activité de dehors de la matinée. Alors, on était à la piscine avec les enfants. Voilà, ils se sont bien amusés avec de l'eau. Voilà, pour quelques 40 minutes. Voilà, ensuite nous sommes rentrés à la maison pour prendre notre lunch. Je vous dis au revoir et je vous retrouve dans ma prochaine vidéo avec le même plaisir. Bye bye! Mommy, baby, I want float. You want to float? Okay. Let me take your seat first.